à toutes et à tous. Aujourd'hui, présentation un petit peu difficile parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc, je vais probablement faire deux vidéos, une première de présentation, une seconde d'illustration avec un exemple de partie. Donc, s'il n'y a que ça qui vous intéresse, ma foi, vous pouvez probablement zapper cette vidéo. De quoi va-t-on parler? Eh bien, nous allons parler de ceci, Vanaheim Easy Adventure, qui est un jeu de type dungeon crawler, et du dungeon crawler, attention, pur et dur à l'ancienne, comme les Bag of Dungeons que je vous ai présentés, comme Four Against Darkness, même si ici il ne s'agit pas de dessiner son plan soi-même, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur la même philosophie de difficulté, de survivabilité très nulle de vos personnages, où vous allez mourir en boucle, bref, vraiment du dungeon crawler à l'ancienne. Où vous pouvez avoir un perso niveau 1 ou niveau 5 qui va faire la mauvaise rencontre après 5 minutes ou après 5 heures et qui va mourir et perdre toute sa progression, vous obligeant à recommencer depuis le début. C'est vraiment donc un type de jeu qui ne s'adresse pas à tout le monde. Déjà, il faut apprécier le dungeon crawler, forcément. Il faut aussi accepter de ne pas s'attacher trop à ces personnages qui ne vont pas faire long feu, mais ça s'accompagne aussi avec le plaisir d'aventures épiques quand il se passe des choses épiques et que le personnage grandit, évolue et surtout donc survit pendant une durée qui est statistiquement anormale un jour lors d'une de vos parties, ou plutôt lors de plusieurs parties, puisque ce jeu ne va pas se jouer en un seul épisode de jeu, sauf si bien sûr vous mourrez tout de suite, puisque c'est un jeu dans lequel en fait votre personnage va pouvoir progresser de niveau en niveau, et il est tout à fait possible de sauvegarder entre guillemets votre partie en rangeant le matériel de côté pour continuer la partie plus loin. C'est un jeu qui est considéré pour des parties d'une quinzaine de minutes. À partir de 12 ans, ça me paraît correct, on pourrait y jouer plus jeune, sauf si évidemment on a un souci avec la thématique des monstres qui peuvent éventuellement vous étriper. Et le nombre de joueurs, bah, c'est quelque chose dont on va devoir parler positivement et négativement, parce que là, voilà, il y a quelque chose de sympa avec le jeu et qui en même temps est un peu problématique. C'est clairement un jeu qui a été conçu pour du solo. Il y a un petit paragraphe de 5 lignes qui vous explique comment jouer à plusieurs. Et c'est là qu'on touche un des problèmes du jeu, c'est que bah, clairement, les règles n'ont pas été développées pour plusieurs joueurs. Donc on vous dit vite fait comment jouer à deux, mais ça laisse plein de questions en suspens sur, par exemple, bah, quand on est deux et qu'il y en a un qui fuit un combat, que fait l'autre? Est-ce qu'il fuit automatiquement? Est-ce qu'il doit fuir à son tour? Est-ce qu'il reste coincé avec deux monstres au lieu d'un? Bref, le jeu, les règles du jeu n'ont pas du tout été rédigées pour savoir de manière complète comment y jouer à plusieurs et vous allez devoir bricoler les règles vous-même. D'ailleurs, quand vous jouez seul, il y a aussi certains points de règles qui ne sont pas clairs ou qui ne sont pas expliqués et où vous allez devoir chipoter un petit peu. L'auteur met en avant ce qu'on appelle généralement dans les jeux la Golden Rule, hein, la règle d'or, qui dit que l'important c'est de s'amuser et qu'il ne faut pas hésiter à ajouter, enlever, modifier des règles pour que l'expérience de jeu corresponde à ce que vous recherchez. Ça plaira beaucoup à certains. D'autres personnes comme moi, quand on achète un jeu, on aime bien avoir, bien sûr, si on le souhaite, on modifie les règles, mais avoir un produit, entre guillemets, fini, une proposition mécanique, mécanico-ludique, terminée, qui nous dit comment jouer. Et on change si on veut ou si on n'aime pas quelque chose, mais on ne nous laisse pas nous débrouiller avec un jeu bac à sable. Alors ici, on n'est pas dans un bac à sable, hein, il y a quand même une structure complète sur comment fonctionne le jeu, comment fonctionne un tour de jeu, comment fonctionne le combat, comment fonctionnent les phases de ville. On va voir, il y a des phases de ville entre les phases de donjon. Tout ça est dans l'ensemble très clair. Il n'y a d'ailleurs pas beaucoup de règles. Je vais vous montrer le carnet de règles, il n'est pas très épais. Ce qui est écrit dedans est limpide. Par contre, la disposition des règles dans le livret, il y a des répétitions, il y a des choses qui viennent à la fin alors qu'elles devraient être au début. C'est pas la meilleure règle que j'ai lue dans mon expérience de joueur, mais c'est pas non plus cataclysmique puisque ça se lit rapidement. Voilà, c'est juste que quand on cherche une info, on fouille un peu longtemps. Donc il faut comprendre le fait qu'on est ici. Alors c'est pas un print and play, hein, c'est un jeu que vous allez devoir faire imprimer et livrer. Vous ne le trouverez pas
en magasin. Si vous voulez le récupérer, il va falloir passer par le site de Gamecrafter, qui est situé aux États-Unis, dans le Wisconsin, ce qui veut dire frais d'impression, puisqu'il va être imprimé à la demande, frais de livraison et frais de douane, ce qui veut dire que le jeu va vous revenir cher, très cher. Je ne vous le conseille donc pas si vous avez un petit budget ou que votre idée est de découvrir le Dungeon Crawler. Il y a des jeux de type Dungeon Crawler que vous trouverez en magasin, qui vous coûteront donc bien moins cher, sans livraison, sans frais, sans taxes européennes, et ça vous fera une expérience nettement moins onéreuse que celle-ci, qui, encore une fois, j'insiste, se destine à un public averti, non pas en point de vue de la thématique violente ou quoi, mais d'un point de vue financier, difficulté du jeu, et le fait que ça ne pardonne pas le faux pas ou la malchance, le mauvais lancer de dés qui va laisser votre perso sur le bord du chemin. Donc, The Gamecrafter, c'est un site dont j'ai déjà parlé en parlant des print and play, mais ce jeu n'est pas en soi un print and play. Vous pouvez le voir au passage, on le voit avec la lumière, hein, toutes les lignes dans le carton ici. C'est vraiment une boîte à chaussures, hein, voilà, hop, regardez, il n'y a absolument aucun rangement. C'est du carton, c'est une boîte en carton de type... boîte en carton, pas du tout comme une boîte de jeu de société. C'est normal, hein, c'est imprimé à la demande, ce n'est pas un souci, c'est le type de produit tel qu'il est vendu sur le site, on le sait. Donc je ne retiens pas la qualité de la boîte qui, pour le coup, autant dire qu'il vaut mieux pas renverser un verre d'eau dessus. Par contre, le rangement ne va pas être évident, puisque bah, vous pouvez le constater, il y a énormément de cartes sur la table. Je vais vous montrer rien que ce paquet-là, il est assez volumineux et elles sont même pas slivées. Donc quand vous remettez tout ça, certes, on vous offre un petit sachet en plastique, enfin, on vous offre un sachet en plastique dans la boîte pour les ranger. C'est pas quand même le paradis du rangement. Quand je suis dans la boîte, vous voyez qu'il y a des petits blisters ici, ce sont des emballages d'extension. En fait, avant que j'oublie, Vanaheim est composé d'une boîte de base avec un jeu tout à fait complet, basique mais complet, et vous allez pouvoir acheter des petits blisters d'extension comme ceci. Celui-ci par exemple rajoutait des armes et des armures, celui-ci rajoutait des sorts, donc de la magie, et des bâtons plutôt destinés à une classe de personnage en particulier. Il y a trois autres extensions qui vont être des extensions de type lieu, qui vont rajouter des nouveaux types de donjons. Dans toutes les extensions, même si celles-ci contiennent essentiellement du matériel hein, pour équiper vos personnages, vous allez quand même avoir un nouveau bâtiment pour la ville et ce genre de petits éléments en plus. Pareil pour les nouveaux lieux, les nouveaux types de donjons, ça va rajouter en fait tout un nouveau thème avec des nouveaux ennemis, des nouveaux compagnons à recruter. Bref, vous avez je sais pas, une douzaine, une quinzaine de cartes dans ces petits paquets d'extensions. Les paquets d'extensions sont vendus à 9-10 $ pièce, et du coup bah, ça se rajoute évidemment aux frais de livraison et de taxes européennes quand vous faites livrer. Encore une fois, c'est un jeu qui va très vite chiffrer si vous êtes en Europe, et bah, il faut l'acheter en connaissance de cause financière. Vanaheim, donc, un dungeon crawler à l'ancienne. Dungeon crawler dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire que le donjon va être créé de manière aléatoire, que vous allez découvrir les zones du donjon, les tuiles qui sont ici des cartes, au fur et à mesure que vous progressez. Ce sera différent à chaque fois. Les cartes de donjon, il y en a un certain nombre. Il y a un paquet ici, il y a un paquet là. En fonction du niveau de votre personnage, vous allez prendre un certain nombre de cartes, 12 au début, puis 18, puis 24 de mémoire. Et vous allez donc avoir un donjon de plus en plus long. Pour rentrer et sortir du donjon, il n'y a pas particulièrement de règles. Vous sortez du donjon quand vous voulez. Vous pouvez très bien arriver dans la première pièce, plutôt la première grotte, puisque ici on est dans un environnement naturel, et ressortir immédiatement après pour aller dans une phase de ville qui intervient entre chaque aventure dans un donjon. La seule chose, c'est que quand vous sortez du donjon de cette façon, sans vraiment l'avoir exploré, c'est que vous n'allez pas monter de niveau. Mais, un, vous êtes toujours vivant. Deux, bah, vous allez avoir quand même trouvé du matériel pour équiper éventuellement votre personnage. Vous allez avoir trouvé des trésors que vous allez pouvoir revendre pour vous faire de l'or. Et vous allez voir que l'or est extrêmement important dans ce jeu parce qu'il va falloir développer votre ville. Mais donc, vous n'allez pas monter de niveau. Par contre, si vous atteignez dans le donjon un certain point qui est un peu un point de sauvegarde, si vous voulez, qui sont les escaliers, là voici, hop,
petite tuile escalier, eh bien, vous allez, si vous choisissez d'emprunter ces escaliers, automatiquement changer d'étage du donjon. Ça peut arriver une fois dans le donjon, il n'y a pas plusieurs escaliers. Donc, vous allez avoir parcouru peut-être 2 cartes, peut-être 18 cartes, et à la 18e carte, vous trouvez les escaliers. Si vous empruntez les escaliers, et que vous vous éloignez de ces escaliers, au second étage, si vous voulez, ou au premier sous-sol, plutôt, puisque vous descendez. Si vous revenez aux escaliers, on considère que vous êtes revenu en ville. Donc pareil, vous ne prenez pas de niveau, mais vous allez pouvoir vendre vos trésors, récolter de l'or, développer la ville, soigner votre personnage à l'auberge, ce genre de choses. Mais si, après avoir changé d'étage, vous parcourez encore le donjon, et vous trouvez une sortie, eh bien, cette fois-ci, vous êtes de retour en ville, vous pouvez faire exactement les mêmes choses qu'avant, mais en plus, votre personnage monte automatiquement de niveau, passe de niveau 1, niveau 2, etc. C'est la seule façon de monter de niveau. Il n'y a pas de boss particulièrement à vaincre, il n'y a pas de quête spécifique à remplir. Il faut avoir traversé l'entièreté du donjon qui consiste à rentrer dedans, trouver les escaliers, changer d'étage et trouver la sortie différente de l'entrée. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Quand vous allez trouver les escaliers, en fait, si vous choisissez de les emprunter, vous allez laisser votre personnage sur l'escalier, vous allez prendre toutes les cartes qui composent l'étage du donjon que vous venez de parcourir, et vous allez les remélanger. Et donc, votre nouvelle carte de départ, votre nouveau start point sera les escaliers. Si vous revenez aux escaliers, comme je vous l'ai dit, vous retournez en ville sans prendre de niveau. Si vous vous aventurez dans ce niveau que vous découvrez, eh ben, vous allez hop, repiocher des cartes qui vont régénérer cet étage du donjon. Et à un moment, vous allez tomber sur la carte qui servait d'entrée à l'époque, qui va devenir la carte de sortie. Et en faisant ça, bingo, vous montez d'un niveau votre personnage. C'est comme ça que vous montez en niveau. Vous pouvez monter jusqu'au niveau 5. On considère que le but de base du jeu, c'est d'arriver au niveau 5, qui est le niveau maximum. Ça rappellera le jeu de base de Four Against Darkness, hein, 4 contre les ténèbres, où le niveau de base sans extension, c'est 5 aussi. Et de trouver un monstre bien spécifique qui est un Drake, une sorte de dragon, et de le zigouiller et de ramener le trésor en ville. Si vous faites ça, vous pouvez considérer que vous avez fini une petite campagne de Vanaheim. Voilà. Après, d'ici à ce que votre personnage soit niveau 5, survive à ça, survive au boss et ramène son butin en ville, bonne chance. Parce que vraiment, la survivabilité de votre personnage, je ne vais pas dire qu'elle est quasi nulle, mais le jeu tape fort. Votre personnage au début, il est faible. Vous pouvez tenter de fuir des combats, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes tiré d'affaire. Et déjà, arriver niveau 2, c'est compliqué. Alors, votre personnage, justement, parlons-en. Vous avez 3 classes disponibles dans le jeu. Hein. C'est souvent le cas dans les donjons, les dungeon crawlers à l'ancienne. Bah, encore une fois, comme For Against Darkness, on n'a pas beaucoup de classes. Hein. C'est comme ça. Ici, on a accès à 3 classes différentes. Le guerrier qui, en gros, va taper un peu plus fort et va avoir un peu plus de points de vie, donc il va tenir un peu plus longtemps avant de mourir. On a l'éclaireur, le scout en anglais, qui va jouer un peu plus sur la débrouille, mais qui a moins de points de vie et qui supporte très mal le corps à corps et qui va finalement mourir. Et puis le sage, qui est en gros le magicien du jeu, qui va avoir accès à la magie qui fait un peu plus mal. Mais pareil, il a moins de points de vie, il n'a pas d'action bonus, et donc il va assez vite mourir aussi avant d'avoir de bonnes magies. Donc dans tous les cas, vos personnages sont très 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 faibles en début de jeu, et je vais vous conseiller personnellement de plutôt tenter un guerrier si vous découvrez le jeu, et a fortiori si vous découvrez le style du dungeon crawler, puisqu'avec ses points de vie, bah, il va encaisser un petit peu plus, et il a un peu plus de chances de survivre jusqu'à fuir le donjon avec succès si nécessaire. Là où le scout peut plus facilement fuir les combats, mais s'il n'y arrive pas, il se retrouve en combat, et malheureusement, il a moins de chances de s'en sortir. Et le mage, bah, il est un peu faible, comme le scout, mais en plus, il n'a pas de chance, il n'a pas de chance supplémentaire de fuir le combat, contrairement au scout. Voilà, sous ça, on fait des personnages qui vont devenir intéressants à jouer sur le long terme, mais qui sont plus fragiles que le guerrier au début.
Vous avez dans tous les cas une fiche de personnage. Elle est recto verso, un homme d'un côté, une femme de l'autre. Vous en avez une quarantaine dans un petit bloc. Donc moi, je vais vous conseiller de les protéger dans du film plastique, hein, comme on fait régulièrement, pour pouvoir écrire au marqueur effaçable dessus. Ça vous empêchera de pouvoir dessiner, puisque c'est l'idée, hein, de pouvoir dessiner pour illustrer votre personnage vous-même, mais au moins vous pourrez réutiliser les fiches sans gommer. Vous voyez qu'ici, elle commence déjà à s'abîmer à force de gommer bah, les points de vie, les pièces d'or et les changements de statistiques. Alors, la caractéristique principale de ce jeu, qui est très intéressante au niveau du personnage, c'est que vous avez des points d'ancrage sur votre feuille de perso. Vous avez votre main principale, votre main secondaire, votre ceinture, une tenue, un sac à dos et un casque. En fait, vous allez avoir un matériel de départ. Par exemple, ici, c'est un sage de niveau 2, puisqu'il a, il a survécu jusqu'au niveau 2 avant de lamentablement se faire massacrer. Et vous allez, comme vous pouvez le constater, avoir de l'équipement qui va s'attacher, en fonction de ce qu'indique la carte, à, certaines, à certains points d'ancrage de votre personnage. Par exemple, ce bâton de mage peut être attaché à la main principale ou à la main secondaire. Il faut toujours respecter ce qui est indiqué sur les cartes. J'aurais pu avoir une arme à deux mains qui s'attacherait comme ceci avec les deux mains indiquées sur le côté, le long côté de la carte. Donc c'est vraiment très bien fait, sachant que la règle veut que jamais des cartes ne se superposent. Donc on voit bien que si j'attache un objet à deux mains, un arc par exemple comme ceci, eh ben, je ne pourrais pas lui rajouter une dague ou une épée ou un bâton dans une des deux mains puisque des cartes ne peuvent jamais se superposer. Par contre, bah, si je mets mon bâton ici dans ma main principale, il reste de la place en dessous pour attacher un objet dans la seconde main. Certains vont venir s'attacher à la ceinture, c'est bien précisé sur la carte. Par exemple, ici, le personnage que Léa jouait dernièrement, un guerrier, la dague ici, ou plutôt le long couteau, peut s'attacher dans la main principale, dans la main secondaire ou à la ceinture, et pour une action gratuite, elle peut hop, le passer à un emplacement différent, donc elle peut se saisir rapidement de sa dague pour en faire quelque chose, alors que moi, si je veux déplacer mon bâton d'un endroit à l'autre, ici, ça n'a aucun intérêt, mais si je veux le faire, ça me coûterait une action, ce qui, en combat, est compliqué, puisqu'on a droit qu'à une action par tour, et puis les ennemis vous retapent dessus. Donc, on attache du matériel, qui est quasiment inexistant au début, hein. Le guerrier commence avec un bâton, pour taper, le mage il commence avec un petit bâton qui lance une petite magie, et le scout il commence avec une fronde et une dague, c'est le seul qui commence avec deux équipements différents. L'idée va donc être d'explorer ce donjon, tuer des monstres, et certains, pas beaucoup, vont vous ramener des objets en récompense. Des objets, il y en a beaucoup dans le jeu, ça fait partie des bons points positifs de ce jeu, qui est énormément de matériel. Alors certes, il y a deux extensions de matériel, hein, donc il y a quelques cartes en plus, mais quand même, le jeu de base vous offre beaucoup, beaucoup de choses. Et là, c'est un peu l'orgie. Hein. Vous avez des armures, des armes, des tenues, des potions, des équipements spécifiques. Bref, c'est vraiment très, très agréable d'avoir autant de choses. Autant dire, vous pouvez faire 200 parties, vous n'aurez toujours pas tout vu. Il y a cette magnifique robe ensorcelée ici, cet arc à flèches, ces flèches, cette arme, ce chapeau pour mage, cette grande épée, une hache. Donc il y a vraiment des choses très classiques, des pierres runiques pour lancer des magies, des grosses armures, un truc qui se met sur la tête. Des tenues spécifiques, voilà, certaines viennent en plusieurs exemplaires, une orbe pour lancer des magies pour les mages. Bref, vous avez vraiment énormément de matériel. Ce matériel, il a un niveau. Par exemple, ce nectar sanguin, ici, il est de niveau 3. Mon personnage, qui est de niveau 2 actuellement, s'il trouve cet objet, va devoir le défausser, car vous ne pouvez pas trouver et ramener en ville, ni vous équiper, ni revendre, du matériel qui est supérieur au niveau de votre personnage. Donc si je trouve cet objet-là, je vais devoir le remélanger dans la pile, et à la place, je vais prendre un petit trésor. Les trésors sont des objets que vous allez ranger dans votre sac et que vous allez ramener en ville pour les revendre, obtenir de l'or, et encore une fois, l'or est très important, je vous explique après pourquoi. Ces trésors, eh bien, c'est pareil,
ils sont forcément du niveau de votre personnage ou de niveau inférieur. Donc si j'avais trouvé une épée de niveau, un bâton de niveau 1 ou 2, un équipement niveau 1 ou 2, une potion niveau 1 ou 2, mon personnage aurait pu l'équiper ou le mettre dans son inventaire, puisqu'on a aussi un petit inventaire. S'il avait trouvé cette potion de niveau 3, il l'aurait défaussée et il aurait pioché un trésor. Sachant que le deck des trésors, qui est assez épais aussi, hein, est un peu différent puisqu'il ne contiendra jamais que les trésors de votre niveau et de niveau inférieur. Donc les trésors, vous êtes sûr en fait d'en obtenir un, quoi qu'il arrive. Au niveau 1, les trésors sont des vieilles fourrures, du bois, un morceau de viande dégueulasse, qui vaut une maximum 2 pièces d'or que vous allez pouvoir revendre en ville. À partir du niveau 2, ça devient déjà plus intéressant. Puisque parmi les trésors, vous allez trouver des saloperies comme une porte fermée, un mur qui s'effondre et qui ouvre une ancienne impasse. Vous allez trouver des blessures aussi. Il y a quelques blessures dans le paquet, donc vous pensez trouver un trésor et en fait vous perdez un point de vie. Et vous allez trouver aussi des événements qui vont modifier le fonctionnement d'un lieu du donjon, qui vont faire apparaître un ennemi, j'en sais rien. Donc des petites choses en plus. Et plus vous allez monter en niveau, eh bien plus les trésors seront intéressants, plus ils vont potentiellement vous ramener de l'or et plus vous allez pouvoir entre guillemets devenir riche, même si l'or part très rapidement. Tant qu'on est sur la fiche de perso, avant de parler de l'or et de la ville. Vous avez, hormis ce principe d'attachement des cartes, d'équipement, vous avez des caractéristiques, comme dans tout bon jeu de rôle. Vous avez votre quantité de pièces d'or ici, vos points de vie ici, le reste sont les caractéristiques de votre personnage, et il y en a une au moins qui est très intéressante. Alors, la force, contrairement à souvent, ne va pas indiquer avec quelle force, avec quelle puissance vous tapez, ça ne va pas vous rajouter des dés en combat, par exemple, ça va indiquer combien de trésors ou d'objets et d'objets vous allez pouvoir porter dans votre inventaire. Voilà. Donc là, on rejoint plutôt la notion de jeu de rôle PC ou console, où plus vous avez de points de force, plus vous pouvez porter une charge lourde. Ici, mon sage peut porter trois objets slash trésors dans son inventaire. L'inventaire qui n'a rien à voir avec le sac à dos va pouvoir être ajouté et attaché d'autres choses en plus. L'armure. Sert à vérifier vos jets d'armure. Par exemple, le sage, il n'est pas très fort pour porter une armure. En l'occurrence, j'en ai pas, puisque je commence à poil. Donc, cette statistique, pour l'instant, n'est pas utile. Mais au moment où je vais trouver une armure et que je vais l'attacher à mon personnage, admettons que mon armure m'offre 2 dés. L'armure fonctionne sur le principe suivant. Vous allez lancer des dés pour tenter d'annuler des attaques qui vous ont touché. Eh bien, moi j'ai moins 1 au résultat de ces dés-là. Donc en fait, il ne se défend pas très bien contre les attaques qu'il n'a pas réussi à esquiver. Le bouclier, c'est pas vraiment la défense, c'est l'esquive. C'est le chiffre qu'un ennemi doit faire pour vous toucher. Un ennemi qui lance 2 dés, s'il fait des 4 ou plus, va toucher mon personnage. S'il fait 1, 2 ou 3, il ne va pas réussir à toucher mon personnage. Voilà. Le petit bâton magique ici, c'est les arcanes, c'est le bonus sur mon lancer de dés. Moi, par exemple, avec mon bâton, quand j'attaque, je lance 3 dés. Chaque dé peut potentiellement toucher un ennemi, donc je peux toucher un ennemi 0, 1, 2 ou 3 fois avec cette attaque. Il a moins 1, donc tous mes dés ont moins 1 à leur résultat. C'est un petit bâton pourri de début de jeu, donc si je fais 1, 2 et 3, en fait j'ai fait 0, 1 et 2. Voilà, donc avec 0, 1 et 2, vous ne touchez aucun ennemi dans le jeu. Mais j'ai un petit bonus qui vient contrebalancer ça, parce que je suis un mage. Un guerrier commence à moins 2, par exemple, il n'est vraiment pas doué pour utiliser la magie. Donc au final, dans l'état actuel de mon personnage, certes, mes dés ont moins 1, mais comme j'ai 2 en magie, j'ai un bonus de plus 2, ce qui, au final, me fait un bonus de plus 1 à mes dés. L'épée. C'est le même principe, mais pour les attaques au corps à corps. Donc, par exemple, quand hop, Léa attaque finement avec son club ici, eh bien, elle lance 2 dés, et comme elle a 2 en épée, elle rajoute 2 à chacun de ses dés. Voilà, bonus d'attaque, comme moi j'ai un bonus en magie. Et finalement, ceci, c'est un peu particulier. Bien sûr, on pourrait croire que c'est les attaques à distance. Oui et non, c'est appelé les attaques à distance dans le jeu. Mais en l'occurrence, ça sert aussi pour des actions bonus. L'idée, c'est que, avant un combat, si vous avez
ce symbole-là, si vous avez des stats dans ce symbole-là, par exemple, elle a 0 en archerie, donc en attaque à distance, elle n'a pas droit à des attaques bonus. Moi, j'ai 1. J'ai droit à une action bonus avant le combat. Mais ce n'est pas forcément une attaque à distance, c'est n'importe quel type d'attaque. Ça pourrait donc être une tentative de fuite. Voilà, j'ai pioché un monstre qui est beaucoup trop fort pour moi. Je veux tenter de fuir. Eh bien, j'ai droit à une action bonus avant le combat. Je peux tenter de fuir. Ça peut être une action d'équipement. Ah mince, ce monstre-là, il est faible au feu. J'ai un équipement qui fait du feu à ma ceinture. Hop, je l'attache à ma main, c'est une action, donc j'utilise cette action pour me préparer avant le combat. Ou bien j'ai une arme à distance, là c'est pas le cas. Admettons que j'ai une fronde par exemple qui permet d'attaquer à distance, eh bien je pourrais utiliser mon attaque à distance pour taper sur le monstre avant le combat. Une fois que toutes les actions bonus ont été utilisées, ne sont pas obligatoires, le combat commence. Et comment ça fonctionne? On tape chacun son tour. Sauf que il faut déterminer qui tape en premier. Et pour ce faire, on va vérifier la vitesse de tout un chacun. Par exemple, si je prends ce personnage-ci, qui est un vilain monstre, que vous pouvez rencontrer dès le niveau 1 d'ailleurs, vous pouvez constater qu'à côté de son attaque, il y a un petit escargot qui veut dire qu'il est lent. Il aurait eu un petit bonhomme qui court, ça veut dire qu'il est rapide. Et s'il n'y a ni l'un ni l'autre, ça veut dire qu'il a une vitesse normale. Moi, j'ai une vitesse normale, puisque sur mon bâton, il n'y a ni escargot ni de bonhomme qui court, donc j'ai une vitesse normale, lui il est lent, je vais attaquer en premier. J'attaque, il attaque, jusqu'à ce que je décide de fuir et que j'y arrive, ou que l'un de nous deux décède. Okay, si on a tous les deux la même vitesse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un des problèmes de la règle qui est incomplète, il n'est pas précisé si on choisit qui commence à attaquer ou si on attaque simultanément. Nous, par défaut, quand on joue, on attaque simultanément. On lance nos dés, on lance les dés du monstre et on se tape l'un l'autre en même temps. Ce qui amène à d'autres questions, mais voilà, il faut se débrouiller un peu avec certaines règles qui sont, je trouve, pas explicites ou incomplètes. Voilà pour globalement la baston. Il y a plein de choses à dire parce que vous allez avoir sur les cartes, vous allez avoir des effets. Par exemple, vous voyez que nous deux, autant lui que moi, on a un petit symbole de glace qui veut dire que c'est une attaque de glace. Il y a les attaques de feu, il y a les attaques d'impact, il y a les attaques de type électrique et les attaques de type critique. Par exemple, lui, il fait des frappes de type impact, donc il lance 3 dés. À chacun de ses dés, il va rajouter un bonus de 2 et c'est une attaque de type impact. Lui, c'est 4 dés, il rajoute 1 à tous ses dés, et c'est une attaque de type force, et cet ennemi-là lance 2 dés, auquel il va rajouter plus 1, et lui, c'est des attaques de type critique. Et donc, il faut connaître un petit peu les effets. Critique, ça veut dire que s'il fait un 6 naturel, donc un 6 sur un dé, sans rajouter un plus 1, pas un 5 plus 1, mais un 6 naturel, eh bien, il fait 2 blessures au lieu d'une. La force et les éclairs ignore l'armure. Donc si ça vous touche, vous ne pouvez pas l'annuler avec votre armure. Les impacts, ça diminue l'efficacité de l'armure de 1. Pareil pour la glace de l'ennemi ici, ou de mon attaque, ça diminue la force de l'armure, ça ignore un point d'armure si vous préférez. Voilà. Donc voilà, en gros pour les caractéristiques, j'illustrerai tout ça avec la vidéo suivante qui sera une mini-partie ou un extrait de partie. Pour vous montrer concrètement comment ça fonctionne. Mais donc, en gros, vous évoluez dans le donjon, vous tombez sur un monstre ou des monstres dans certains cas, vous tapez chacun votre tour en fonction de la vitesse de votre personnage et des ennemis, pas de votre personnage, mais de vos armes. Quelqu'un fuit ou quelqu'un meurt et vous obtenez éventuellement un trésor ou un objet. Si c'est un objet qui est de trop haut niveau, vous prenez un trésor à la place. Les trésors sont rangés dans votre inventaire en fonction de la quantité que vous pouvez porter, sinon vous devez défausser quelque chose. Si vous quittez le donjon parce que vous vous sentez en danger, vous allez retourner en ville, vous reposer, vous soigner, développer la ville, etc. Si vous continuez d'explorer, vous arrivez aux escaliers. Les escaliers vous permettent d'explorer le niveau suivant du donjon. Si vous trouvez la sortie, vous gagnez un niveau en plus du reste. Globalement, l'idée, elle est là. Quand vous allez créer votre personnage, il y a des statistiques qui sont propres
à votre classe, hein, qui sont définies de base. Et puis, il y a un petit tableau qui vous explique comment vos caractéristiques évoluent en fonction de la classe que vous avez choisie. Par exemple, on voit que un sage, ici, là, hop, en haut, commence avec 0 en attaque, 0 en précision, enfin en bonus pour les attaques à distance, 0 action bonus, 0 en magie, c'est quand même le comble pour un magicien, 3 en esquive, donc un ennemi doit faire 3, 4, 5, 6 seulement pour nous toucher, moins 1 en armure, et on n'a même pas d'armure au début, 3 en force, donc on peut porter 3 objets dans notre inventaire, et 5 points de vie. Et si vous regardez bien, vous voyez qu'il y a des petites flèches vertes, enfin blanches dans un rond vert en surimpression derrière la valeur indiquée, qui indique que vous choisissez une de ces flèches et vous rajoutez un bonus de plus 1. Donc il y a un minimum de choix de personnalisation de votre personnage. Vous allez pouvoir rajouter un en magie, un en esquive ou un point de vie. Et ensuite, vous allez devoir choisir un petit talent parmi une petite série qui est indiquée ici. Chasseur de primes, chasseur de dverges, esprit concentré, chasseur de faulna, ce sont des petits ennemis, avantage tactique, sprint, force ou pumped, qui veut dire que votre personnage il est badass et qu'il a 2 points de vie. Il est un peu plus résistant, il a 2 points de vie en plus. Votre personnage ne peut avoir qu'un talent à la fois. Moi, par exemple, quand j'ai créé mon personnage, j'ai choisi Focused Mind, qui me dit que quand j'ai tous mes points de vie, je gagne un bonus de plus 1 à mes lancers de type magique. Voilà, qui vient annuler, par exemple, le malus de mon arme, qui a un moins 1 à tous ses lancers de dés, mais que je perds dès que je suis blessé. Et autant vous dire qu'au premier combat, le mage, il est blessé. Donc c'est un talent qui ne sert pas souvent. Strong, la force va vous rajouter plus en force, donc vous allez pouvoir porter un truc de plus dans votre inventaire. Le sprint va vous ajouter un bonus de plus 2 à votre tentative de fuite, etc. À vous de regarder un peu comment vous voulez choisir votre personnage, comment créer votre personnage, pardon. Vous n'allez avoir droit qu'à un seul talent, mais ce talent, vous allez pouvoir le changer grâce à un bâtiment de la ville. Et il est temps de parler un peu de la ville. Et juste avant ça, sachez qu'au niveau de la magie, il y a 2 branches de magie. En gros, il y a les sortilèges et les magies classiques. Les sortilèges, donc tout ça sont des cartes de compétences et de talents pour améliorer vos personnages, j'y reviendrai. Vous avez aussi donc les magies vertes qui vont plutôt être axées dégâts. Les magies bleues sont un peu plus versatiles et vont être axées en partie dégâts, en partie soins, voilà. Mais vous ne pourrez pas faire les 2 branches en même temps. Vous allez devoir spécialiser votre lanceur de magie. Donc, à vous de voir ce que vous voulez choisir comme voie, frapper fort pour tenter d'éliminer les ennemis avant qu'ils vous fassent des dégâts et survivre comme ça, ou plutôt taper moins fort mais avoir la possibilité de vous aider en vous soignant. Je ne connais pas encore les magies puisque je n'ai même jamais eu l'occasion de lancer une magie autre que mon petit coup de bâton avec mon sage qui n'a jamais survécu suffisamment longtemps que pour obtenir sa première magie. Alors, comment obtenir ces magies et ces compétences supplémentaires? Eh bien, c'est là qu'on tombe sur un des éléments les plus chouettes des mécaniques de jeu, un des plus intéressants dans ce jeu, c'est le développement de la ville. Quand vous revenez en ville, entre 2 aventures, dans un donjon, donjons qui sont reset à chaque fois, donc vous ne retournez jamais dans le même donjon, si vous quittez un donjon, que vous l'ayez parcouru en entier ou pas, il est rangé, il est effacé, le prochain donjon sera un nouveau donjon à explorer, un peu comme dans For Against Darkness, où il n'est pas traditionnel de retourner 2 fois dans le même donjon. Alors, une ville, qu'est-ce que c'est? Une ville, c'est une série de cartes. Et au début, vous n'en avez qu'une d'accessible, qui est la taverne. La taverne, c'est un endroit très pratique, puisque en dépensant une pièce d'or, vous allez pouvoir, et le sage commence avec une pièce d'or, le guerrier commence avec une pièce d'or, et le scout commence comme un pauvre, avec 0 pièce d'or. Avec une pièce d'or, vous allez pouvoir vous payer une petite bière, et cette petite bière va vous rendre 1 point de vie. C'est pas génial, 1 point de vie, parce qu'en général, vous êtes aux 3/4 mort quand vous quittez le donjon. Mais, pour le même prix, une pièce d'or, vous pouvez plutôt louer une chambre et reprendre 4 points de vie. Voilà qui est déjà plus intéressant. Alors, pourquoi payer 1 pour une bière et récupérer 1 point de vie, si vous pouvez payer 1 pour une chambre et récupérer 3 points de vie en plus, 4 en tout? Eh bien, parce que le prix de la chambre va évoluer. La taverne, vous voyez, il y a une petite clé dessinée dessus. Au cours de vos aventures, vous allez développer la ville.
Vous allez rajouter la guilde, vous allez rajouter le maître forgeron qui vient d'une extension, vous allez rajouter la maison qui vient d'une extension, mais vous allez rajouter le Hall of Wards, le forgeron débutant, l'étable, l'alchimiste, le magasin et l'auberge. Et certaines de ces cartes possèdent également une clé, comme vous pouvez le constater. Eh bien, pour chaque bâtiment avec une clé, vous allez augmenter le prix de la chambre à la taverne de 1. En fait, comme vous développez la ville prend de la valeur et donc le prix de la chambre augmente. Ce qui veut dire qu'au début, certes, vous ne payez qu'une pièce d'or pour récupérer 4 cœurs, mais dès qu'il y a un deuxième bâtiment, vous allez payer 2, et puis 3, et puis 4, et puis 5, et ça devient beaucoup plus cher de se soigner, mais vous ramenez aussi au niveau 3, 4, 5, des trésors qui potentiellement valent beaucoup plus cher. Et vous allez trouver des équipements que vous allez pouvoir revendre qui valent plus cher aussi. Donc c'est plutôt intéressant de construire des bâtiments parce que malgré le fait que ça augmente le prix des soins, finalement, bah, vous allez débloquer les effets des bâtiments. Et oui, il faut bien qu'ils servent à quelque chose. Si vous vous handicapez juste en augmentant le prix de la taverne, c'est pas très sympa. Donc, par exemple, si vous construisez le notice board, non seulement il n'y a pas de clé, donc ça ne va pas augmenter le prix de la taverne, donc ça c'est tout bénéfice. Donc vous payez une pièce d'or et hop, vous construisez le notice board. Le notice board, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous donner accès à des quêtes que vous allez pouvoir piocher, donc on en prend une au hasard au sommet du deck, avant de retourner dans le donjon. Et les quêtes, comment est-ce qu'elles fonctionnent? Eh bien, vous allez avoir dans votre paquet de quêtes toutes les quêtes dont le symbole correspond au bâtiment existant dans votre ville. C'est logique, vous n'avez pas à aller avoir des quêtes en rapport avec une étable si vous n'avez pas d'étable dans votre ville. Pareil pour tous les autres bâtiments. Voilà, par exemple, si vous avez votre forgeron, vous allez rajouter dans votre paquet de quêtes toutes les quêtes qui ont le symbole de l'enclume qui représente le forgeron. Et donc vous aurez une chance de tirer une quête du forgeron en plus de quêtes de taverne et des quêtes de notice board. Quand vous revenez du donjon, vous avez ou pas rempli votre quête, vous la défaussez et vous allez en piocher une autre. Les quêtes au niveau 1 sont un peu nulles, elles vous disent que pour tout ce type d'ennemis-là tués, bah, vous avez une pièce d'or en plus par exemple. Ou les fourrures que vous trouvez valent une pièce d'or en plus quand vous les revendez. Et puis plus vous développez de bâtiments, plus vous aurez accès à des quêtes différentes, plus il y aura un peu de diversité dans les quêtes, mais je ne peux pas vous en dire grand-chose, puisque jusqu'à présent, Léa et moi, on n'a jamais développé plus de 3 bâtiments. On avait la taverne, le notice board pour avoir accès aux quêtes, et on avait la guild qui permet d'obtenir des compétences pour votre personnage. Compétences qui coûtent cher, mais sans ça, votre personnage n'en aura jamais. Donc, c'est très 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 sympa, je trouve, de sortir du donjon, de se soigner à la taverne, ça c'est déjà cool, mais de pouvoir comme ça choisir comment est-ce que vous allez développer votre ville, sachant que votre ville, elle peut désévoluer. Pas très français, mais admettons que vous revenez en ville, vous êtes pratiquement mort, vous n'avez aucune chance si vous retournez dans un donjon dans cet état-là, mais le problème c'est que vous avez 4 bâtiments, ça vous coûte 4 pièces d'or donc pour payer une chambre, et il vous en reste une de pièce d'or. Eh bien, vous pouvez défausser des bâtiments, voilà, vous pouvez détruire, défausser des bâtiments, pour diminuer le coût de la taverne, et bah, peut-être du coup vous soigner, peut-être survivre au prochain donjon, peut-être gagner de l'or, et peut-être reconstruire le bâtiment pour qu'il vous resserve de nouveau ultérieurement. Comment est-ce qu'on va justifier ça dans le lore du jeu? Bah, tout simplement, c'est pas la même ville. Hein, d'accord. Bien sûr que les bâtiments ne clignotent pas, hein. Vous n'avez pas votre alchimiste qui apparaît, disparaît, c'est juste qu'on considère qu'au lieu d'aller dans la ville à gauche en sortant du donjon, bah, vous avez été dans la ville à droite, et la ville de droite, bah, elle n'a pas d'alchimiste, hop, il a disparu, donc il y a une clé en moins, donc la chambre à la taverne vous coûte un truc en moins. Les bâtiments, ils ont différentes choses, hein. Ils ont tous des actions différentes, la taverne vous soigne, le notice board va vous permettre d'avoir accès aux petites quêtes qui globalement vont vous ramener de l'or en plus, la guilde, une fois que vous l'avez installée, vous payez pour défausser vos compétences et en prendre de nouvelles. Comment fonctionnent les compétences? Vous les choisissez dans ce gros paquet là, les cartes rouges, et l'idée est la suivante, vous ne pouvez jamais avoir des points de compétence qui dépassent votre niveau. Donc au niveau 1, bah, vous avez droit à une compétence de niveau 1. Au niveau 2, vous pouvez choisir entre une compétence de niveau 2 ou deux compétences de niveau 1. Et plus vous allez monter en niveau, plus vous allez pouvoir
panacher vos compétences. Est-ce que vous voulez une grosse compétence de niveau 4 ou est-ce que vous voulez 4 compétences de niveau 1? À vous de voir un petit peu comment vous allez construire votre personnage. Il faut déjà qu'il survive jusque-là. Le maître forgeron va vous rapporter certains objets, mais bon, le Master Smith et la House, et encore une fois, proviennent de. Et peut-être le Hall of Wards aussi, j'ai un doute, proviennent d'extensions, oui, je pense. Les autres cartes sont les cartes du jeu de base. L'étable va vous permettre d'obtenir des compagnons. Par exemple, vous allez avoir un cheval avec vous, ou une mule. Et à quoi ça sert? Eh bien, il y a certains trésors que vous allez trouver dans le donjon qui sont beaucoup trop lourds. Des gros minerais, par exemple, des grosses pierres que vous n'allez pas pouvoir porter dans votre inventaire et qui ne peuvent être portées qu'à dos de cheval. Certains compagnons peuvent prendre des dégâts ou vous aider en combat, etc. J'en ai jamais vu, je ne peux pas vous en dire plus, je suis toujours mort avant. L'alchimiste et le magasin vont vous permettre d'obtenir des objets et en fait, sous certaines conditions, le fonctionnement, c'est que quand vous sortez du donjon, vous allez piocher par exemple 3 cartes d'équipement et si ces équipements ont l'icône qui correspond au magasin, vous allez pouvoir ajouter ces équipements au magasin en question. Ce qui veut dire que si vous sortez avec de l'or, du donjon, eh bien vous allez pouvoir faire du shopping. Plutôt qu'attendre de trouver l'armure qui vous convient, vous avez une chance sur je ne sais pas combien de la trouver, bah, vous en piochez plusieurs, vous avez trouvé quelque chose qui est intéressant pour votre personnage, vous le déposez dans le magasin en question, et bah, plus tard, quand vous aurez de quoi l'acheter, vous pourrez l'acheter. Évidemment, on achète plus cher qu'on revend, comme dans tout bon jeu. Si je prends par exemple ce magnifique casque de niveau 3, qui s'équipe évidemment sur la tête, il me coûterait 6 en l'achetant chez le forgeron. Si je le revends, après l'avoir trouvé dans le donjon ou parce que j'ai trouvé mieux depuis, ça me ramène que 2 pièces d'or. Qu'est-ce qu'il fait quand il est équipé? Les sorts magiques se lancent avec un malus de 1. Ça me gêne un petit peu, comme souvent les armures pour les mages dans les jeux. Et comme une action gratuite, je peux le défausser pour réduire une attaque de 1. Voilà, je peux perdre mon casque pour réduire une attaque. Cette armure ici en cuir, elle lance un dé. Donc admettons qu'un ennemi lance 2 dés pour m'attaquer. Il y en a un qui rate. Il y a l'autre qui me touche. Je dois encore vérifier si mon armure n'arrête pas cette attaque qui me touche. Comment elle fonctionne celle-ci? Elle lance un dé. Si je fais un 6, le coup est annulé. Voilà. Elle me ramène 3 pièces si je la vends. Je peux l'acheter pour 5 dans ces deux magasins-là, si j'ai réussi à attribuer cette carte à ces magasins-là. Il y a peut-être plus de chances que je la pioche tout simplement dans le donjon. En plus, c'est une carte de niveau 1. Ça veut dire que je pourrais la garder, je ne devrais pas la défausser. Voici comment ça fonctionne. Voilà en gros pour la présentation du jeu. C'est un jeu qui pour moi a été designé au niveau de ses règles, clairement, pour fonctionner en solo. Voilà, c'est vraiment été designé comme un dungeon crawler solo, dans lequel, bah, je vous le montre, hein, j'invente rien, il y a allez, 3 paragraphes, j'avais exagéré en disant un, il y a 3 paragraphes qui vous dit, bah, si vous voulez jouer à plusieurs, et il n'y a pas de limite de nombre, on considère que vous faites un groupe, et quand vous devez lancer les dés pour savoir quel ennemi vous rencontrez, bah, chacun lance un dé. Et donc il va y avoir potentiellement plusieurs ennemis. Vous êtes 2, vous lancez 2 dés. Si les 2 dés sur la table vous disent que vous faites apparaître des monstres, voilà, par exemple si nous on était tous les deux niveau 2, moi je fais un 1 ou un 2, bah, ça ne fait pas de rencontre. Et Léa elle fait un 6, bah, on va rencontrer un ours. Et si on avait fait tous les deux un 5 et un 6, bah, on aurait eu un ours et un serpent. Et on affronte les deux. Malheureusement, ces 3 paragraphes laisse des questions en suspens, comme je vous l'ai dit, s'il y en a un qui fuit, est-ce que l'autre fuit automatiquement? Est-ce qu'il se retrouve avec deux monstres à combattre? Est-ce que, vous voyez, ça laisse quand même pas mal de questions. Il précise qu'au niveau des villes, il précise aussi qu'il est conseillé d'être de même niveau, mais dans la fac du site, il parle d'éventuellement panacher, non, même pas sur la fac du site, dans un post sur BGG. Qu'on peut éventuellement faire un mix de groupes. Voilà, il y en a un qui aura des monstres faibles et l'autre des monstres plus dangereux pour lui, évidemment. Que quand on est en ville, on peut considérer qu'on va dans la même ville ou se séparer. Voilà, et aller dépenser son or chacun de son côté. Mais par exemple, pour les cartes de talent, il y a des talents communs, hein, pour la création du personnage. Par exemple, tous les personnages, le guerrier, le scout et le sage, peuvent choisir le talent sprint, qui permet de fuir plus facilement, mais il n'y a qu'une carte dans le jeu.
Donc, s'il y en a un qui le prend, est-ce que l'autre peut le prendre aussi en dédoublant virtuellement la carte et en écrivant par exemple sprint sur sa carte, ou est-ce qu'on considère qu'il n'y en a qu'un des deux qui peut l'avoir pour qu'il n'y ait pas un groupe déséquilibré en ayant deux fois le même bonus? Eh bien, toutes ces questions-là, vous allez devoir trancher vous-même en prenant des décisions. C'est pas catastrophique, c'est pas grave. C'est juste que, comme souvent, et ça arrive dans les jeux qu'on trouve dans le commerce aussi, hein, de manière traditionnelle, c'est plutôt l'inverse dans ces cas-là, c'est souvent des jeux pour plusieurs, où il y a un mode solo, et le mode solo, on vous dit, bah voilà, quand vous jouez seul, vous pouvez faire comme ça, et ça laisse parfois aussi les questions en suspens. Pour le reste, bah, la règle, qui est en anglais évidemment, est plutôt claire. On sait très bien ce qu'on peut faire quand on pose les cartes de donjon ou pas. Elles se posent toutes en mode portrait, vous voyez, à la verticale. On ne peut pas créer de cul-de-sac, on ne peut pas avoir un chemin qui tombe sur un mur, etc. Il y a une mécanique de jeu dont je ne vous ai pas parlé dans le développement du donjon, c'est que ben, parfois vous allez donc piocher une carte qui n'est pas connectable, d'accord? Un chemin horizontal, alors que vous devriez avoir un chemin vertical, par exemple. Eh bien, ce que vous faites dans ces cas-là, c'est que vous la laissez face visible à côté de la pioche. Il y a tous les tours ultérieurs, vous pourrez choisir entre piocher une carte inconnue et assumer cette carte inconnue, ou choisir une des cartes face visible que vous n'aviez pas pu poser préalablement. C'est intéressant, pourquoi? Parce que sur certaines cartes, vous savez qu'il n'y a pas de risque. Par exemple, ce petit cul-de-sac ici, non seulement je sais, grâce au symbole, qu'il n'y a pas de combat ici, il n'y aura pas d'ennemi, mais en plus je peux piocher un trésor. Voilà, un petit cul-de-sac, je trouve un trésor dedans. Cette carte-ci me dit que je vais avoir une rencontre, donc je vais lancer un dé, ou deux si on est deux, pour savoir sur la table de rencontre quel monstre on va croiser. Et il n'y a pas de modificateur. Si je fais un 3, ce sera un 3. Il n'y a pas plus 1, il n'y a pas de moins 1. Alors qu'avec cette carte-ci, je sais que je vais lancer un dé et je vais en retirer un au dé. Si j'ai fait un 6 et que j'aurais dû tomber sur un gros vilain monstre, bah en fait, ça sera un 5 et ça sera un moins gros vilain monstre. Par contre, j'ai moins 1 en attaque bonus. Donc si j'avais 1 en attaque bonus, bah j'ai 0. Si j'avais 2 en attaque bonus, j'ai plus qu'un. Je peux faire qu'une seule attaque bonus avant que le combat commence. Ça, c'est une carte qui vient d'une extension, qui est la seule carte de donjon qui a un petit effet. Voilà, ça, c'est une des limites du jeu, c'est que, vous voyez, il y a plein de représentations différentes, hein, c'est plutôt joli, il y a des pièces, il y a des couloirs, il y a des murs effondrés, il y a des étangs souterrains, il y a des cul-de-sac, mais en fait, il n'y a jamais d'effet autre que rencontre ou pas, trésor ou pas, attaque bonus impactée ou pas. Voilà. Les graphismes sur la carte, les dessins, n'ont aucune conséquence autre que représenter un chemin vers le haut, le bas, la gauche et la droite. Voilà. Donc ces pièces, par exemple, n'ont aucune utilité en termes de mécanique de jeu. C'est cool qu'il n'y ait pas que des chemins, qu'il y ait des pièces et tout. Ça donne une vraie. Ça marche très bien. Hein. Le donjon, il est plutôt beau. Enfin, ça fonctionne bien. Les chemins se connectent bien. Ça rend vraiment correct. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'effet sur les cartes des donjons. Pour avoir des donjons, entre guillemets, plus avancés, avec de la lave, des événements, etc., eh ben, il va falloir acheter des extensions qui actuellement sont au nombre de 3, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il y a 3 nouveaux types de lieux qui existent, 3 extensions supplémentaires, chacun à 9 $ pièce. Une qui va rajouter un monde un peu plus nocturne, où vous allez croiser des monstres de type loup-garou, trouver des armes en argent pour vous faciliter la vie, etc. Donc c'est des cartes aussi noires, avec des chemins un peu bleutés, comme ça, à la lumière de la lune. Vous avez Jolnir, un truc comme ça, où c'est plutôt du volcan avec de la lave. Et vous avez le Shimmering Portal, qui, je n'ai aucune idée, c'est une forêt, je crois. Non, c'est pas une forêt. Je ne sais plus. Je ne les ai pas, ces extensions-là. Je pense que je les prendrai à l'occasion. Mais vu le prix de l'importation, ce ne sera pas pour tout de suite. Je vais attendre de faire une commande plus grosse sur le site, et j'ai pas de raison d'en faire une pour l'instant. Voilà, ça attendra. Bref, trêve de détails. Voici pour la présentation générale, la création d'un guerrier, d'un scout, d'un sage, avec des caractéristiques différentes, une toute petite personnalisation avec un talent spécifique et un point supplémentaire que vous allez pouvoir mettre dans une de vos caracs. Et puis bah, vous vous aventurez dans un donjon. Si ça tourne mal, vous pouvez sortir et vous prendrez pas de niveau, mais vous pourrez vous soigner, revendre votre trésor, développer la ville. Si vous trouvez l'escalier et que vous explorez l'étage jusqu'à retrouver la sortie,
Eh bien, vous referez la même chose, sauf qu'en plus, votre personnage prend un niveau. Il y a donc une petite stratégie à prendre en compte. C'est une très mauvaise idée. On peut vous en témoigner tous les deux. C'est une très mauvaise idée de passer niveau 2 sans avoir trouvé de l'équipement supplémentaire pour votre personnage ou une compétence supplémentaire pour votre personnage. Pourquoi? Parce que quand vous changez de niveau, le donjon va être plus long. Vous allez passer de 12 à 18 cartes dans le paquet de donjons. Mais vous allez aussi changer de table de rencontre. Et les monstres que vous allez croiser, je peux vous dire qu'ils font mal. Hein. Quand vous allez croiser l'ours, alors, quand vous allez croiser l'ours qui lance 4 dés, qui rajoute plus 1 et qui ignore les armures, je peux vous dire que ça va vous faire tout drôle. Et à partir du niveau 2, vous avez les boss. Alors ça, les boss, j'en ai pas parlé. J'ai pas trop parlé des types d'ennemis. Mais les ennemis de type boss, vous voyez, ils ont des attachements eux aussi. Ce qui veut dire que vous allez leur rajouter des petites cartes. Tel qu'indiqué, ici il faut trouver la carte C par exemple. Donc voilà, on prend la carte C que voici. Donc vous allez lui ajouter ces deux cartes C comme ça. Et en fait, ce sont des attaques particulières avec des points de vie propres, des armures propres. Et en fait, il va falloir non pas taper le boss, qui n'a pas de caractéristiques, il n'a pas de points de vie le boss, il va falloir taper ces cartes d'attaque, par exemple sa main qui peut vous attraper, enfin ses deux mains en l'occurrence qui peuvent vous attraper ici. Et une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous allez retourner les cartes et vous allez passer sur la seconde phase du boss et il a de nouveaux vilaines choses, des tentacules et tout, avec de nouvelles caractéristiques d'attaque, de défense, etc. Ça, je ne l'avais pas dit. Les autres monstres, ils ont un principe qui leur est propre, qui est que soit, alors là j'en ai pas. Pom, est-ce que j'ai déposé? Et ils sont ici. Ils étaient cachés derrière mon téléphone. Vous avez certains monstres qui sont un peu plus faibles, comme ce Chimerat ou Chimerat ici, qui est un mélange d'araignée et de rat dégueulasse. Vous voyez que, hop, son liseré est gris et rouge. Ça veut dire que quand vous l'avez tué et il n'a qu'un point de vie, bah c'est fini, il se passe rien, il est mort. Et au passage, il vous offre rien, donc c'est juste un ennemi, c'est l'équivalent des vermines dans Four Against Darkness. Il rapporte rien, il est juste là pour potentiellement vous faire perdre des points de vie. Il n'est pas très fort, hein. Il lance un dé, on retire un en plus à sa valeur de dé. Sur un 3 ou plus, on le touche, et à qu'un point de vie, il rapporte rien, voilà, et ils sont deux, potentiellement dans le donjon. Celui-ci, comme la plupart des monstres en réalité, vous voyez qu'il n'y a pas de rouge. Ça veut dire que quand vous l'avez zigouillé, quand vous lui avez retiré son point de vie, il écrit qu'il faut retourner la carte. Et en fait, il a une seconde phase. Quel est l'intérêt d'avoir une seconde phase? Eh bien, les caractéristiques des monstres vont changer. Lui, par exemple, tout d'un coup, il gagne la capacité de fuir. Et il le fait. En fait, si vous n'arrivez pas à le tuer d'un coup, donc il a un point de vie ici et un point de vie là. Si vous faites deux points de vie ou plus, vous le tuez net, hein, parce que vous faites un point de vie, vous retournez la carte, deuxième point de vie, il est mort. Mais si vous lui faites qu'un seul point de vie, vous devez retourner la carte, il n'est pas mort, donc il active sa capacité qui est de fuir, et en fait il va venir s'ajouter à un autre combat plus tard, et du coup vous vous retrouvez avec deux ennemis. Il est toujours blessé, mais il vient vous ennuyer quand même. Et il ne lance plus 2 dés, mais 2 dés à plus 1. Donc il est plus dangereux sur sa seconde phase. Certains ennemis seront plus faibles, certains vont devenir sensibles au feu, certains vont être plus forts ou moins forts, certains vont fuir, certains vont créer une embuscade en faisant venir un nouvel ennemi. Bon, après les avoir rencontrés une fois, vous les connaissez, la surprise n'est plus là, mais c'est très sympa d'avoir ce système en 2 phases. Qui vous donne un peu de grain à moudre. Surtout en jouant à 2, où vous allez avoir 2 monstres, un qui peut être tué en une fois mais qui est plutôt faible, un qui va être tué plus lentement mais qui est dangereux, sur lequel est-ce qu'on s'acharne? Est-ce qu'on va vouloir tuer le faible pour qu'il n'y ait plus qu'un monstre, ou s'acharner sur le fort pour que bah, essayer qu'il disparaisse le plus rapidement possible et qu'il n'y ait plus que le faible, avec le risque qu'il reste tous les deux si le fort survit? Donc jouer à 2, ou plus j'imagine, mais j'ai un peu de mal à imaginer ce jeu à 3-4. Ça renforce les choix à faire, parce que quand on a 2 monstres en face, ça devient vraiment potentiellement mortel, parce que vous n'allez pas choisir qui les monstres attaquent. Vous allez lancer un dé pour le loup, vous allez lancer un dé pour le vercobé sauvage, et bah, le dé va indiquer, pardon, peut-être que tous les deux vont s'acharner sur le même
personnage. Voilà, ça arrive, vous avez un guerrier, c'est le cas de Léa, moi j'avais un sage, beaucoup plus faible. Si le loup et son copain s'attaquent tous les deux à moi, bah, potentiellement mes points de vie vont fondre très rapidement. Là où, en jouant seul, j'aurais affronté qu'un seul des deux, potentiellement très dangereux, hein, qui peut me défoncer, mais c'est quand même que 2D au lieu de 4D. Voilà, donc l'expérience est un peu différente à 1 et 2, les choix stratégiques ne sont pas les mêmes. Donc l'expérience est à tenter pour du changement. Après, je sais très bien que sur ma chaîne, beaucoup de gens s'intéressent aux jeux en solo, comme moi notamment. Et donc ce jeu a été designé, je vous rassure, principalement pour du solo, mais je ne peux qu'insister sur la difficulté du jeu, non pas en termes de règles, mais en termes de statistiques au dé, tout simplement. Et la chance est vraiment présente et vous pouvez mourir après 5 minutes de partie, comme vous pouvez jouer pendant 1 heure et demie avec en ayant fait 6 donjons différents, dont jamais un complet ou une fois un complet qui vous a amené au niveau 2, et puis bah, mourir au bout d'une heure et demie de partie, comme ça nous est arrivé ici, on était niveau 2. Moi je suis mort. Léa a fui après m'avoir regardé mourir comme une merde, et elle est en ville, et ce qui se passe, c'est que elle va pouvoir jouer de son côté pour gagner de l'or, pour obtenir la guilde qui va lui permettre d'acheter une compétence pour que son guerrier niveau 2 soit un peu plus bas compétent, justement. Moi, je vais refaire un perso, probablement de nouveau un sage pour avoir accès à la magie que j'aimerais bien tester, et je vais jouer tout seul jusqu'à être niveau 2 peut-être un jour, et pouvoir refaire une équipe de deux niveau 2 et rejouer à deux. Vous voyez, donc il y a vraiment moyen de se créer une aventure sur mesure, une campagne sur mesure, un peu bac à sable où on fait ce qu'on veut. Mais je vous l'ai dit, une faiblesse du jeu, c'est certaines règles qui nécessitent un petit peu de règles maison, voilà, pour savoir exactement comment gérer certaines situations où les règles ne sont pas toujours explicites. Par exemple, vous êtes en train de faire un donjon, vous tirez une carte que vous savez connecter, mais c'est un cul-de-sac. Est-ce que votre donjon se termine là, alors que vous n'avez même pas trouvé les escaliers? Par exemple, imaginez, hein, vous commencez le donjon, et la première carte que vous piochez, parce qu'il y en a beaucoup en plus, il y en a vraiment beaucoup. Il suffit que je dise ça et là j'en ai aucune, voilà. Non, celle-là elle n'est pas dans le bon sens. Ah oui, je les avais retirées. Je les avais retirées. Ben voilà, par exemple, vous tirez cette carte-ci. Donc quand on explore, on assume la carte, c'est-à-dire qu'automatiquement on tombe dessus. C'est génial, j'ai gagné un trésor. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de monter le niveau. Comment je fais? Il n'y a plus d'accès dans le donjon. Eh bien, ça, ce n'est pas dans les règles. Si vous allez voir la question que quelqu'un a posée sur BGG, l'auteur va vous dire, bon, bah, si c'était la dernière possibilité de déplacement, vous pouvez la rajouter aux cartes face visibles, qui deviennent un peu les cartes joker. Vous piochez la carte suivante, vous tombez par exemple sur celle-ci qui vous permet de continuer. Il y a un combat, il y a un malus aux attaques bonus, vous continuez à jouer. Et comme j'ai au moins une carte face visible, bah pour les prochains tours d'exploration, je pourrais choisir entre piocher une carte inconnue ou choisir parmi les cartes qui sont dans les cartes face visibles. Voilà. Donc, une règle pas tout à fait complète. C'est pas catastrophique, mais ça peut être un peu frustrant. Et si on découvre ce genre de jeu, qu'en plus on lutte un peu avec l'anglais, bah on n'a pas forcément envie de devoir faire du house rule, des règles maison. Mais voilà, c'est un problème minime, mais existant. Qu'est-ce que j'ai pensé du jeu? Moi, personnellement, ça reste un gros coup de cœur, parce que j'aime le dungeon crawler, parce que j'aime les jeux faits avec amour, et ça, c'est clairement quelqu'un qui s'est quand même cassé le cul à faire rien que le système d'attachement des cartes, où toutes les cartes ont été pensées pour être attachées à une main, ou à l'autre, ou aux deux, et en plus à la ceinture, et rien que faire les cartes avec les icônes partout et tout, il y a un boulot monstrueux. Moi, je valorise ça. La personne s'est débrouillée pour pouvoir faire imprimer son jeu sur un site. Alors, les Américains n'ont pas de frais de livraison supplémentaires et tout, donc pour eux, ça reste un prix raisonnable.
Tout ça fait que c'est un jeu qui a vraiment été fait avec le cœur, ça se voit vraiment, il y a un gros boulot là derrière. Le développement de la ville, je trouve ça absolument génial d'avoir une phase de ville entre les donjons. Je rappelle que For Against Darkness, dans le jeu de base, ne le propose pas. Donc c'est un jeu qui va un petit peu plus loin. Rien ne vous empêche au passage de faire une équipe de deux et de gérer ça seul, hein, parce que j'arrête pas de dire que vous pouvez jouer à deux, mais vous pouvez faire deux personnages, mais ça va vous faire beaucoup de cartes à gérer, beaucoup de lancers de dés, et qui attaque en premier machin en fonction de la vitesse. Là, votre cerveau va chauffer un peu plus si vous devez tout gérer seul, mais ça reste faisable. Pour moi, c'est vraiment un bon jeu, d'une difficulté absolument abominable, mais c'est le thème qui veut ça, et si vous n'êtes pas prêt à accepter ça, clairement il faut pas y jouer. Le jeu est mortel, vous pouvez mourir après 5 minutes sur un malentendu. Donc à vous de voir. C'est le principe, c'est la philosophie de ce genre de jeu, c'est tout à fait legit comme difficulté. C'est un type de jeu. Voilà, à vous de voir. Bien sûr, vous pouvez modifier les règles pour vous rajouter des points de vie ou fuir plus facilement ou changer les tables de rencontre pour qu'il y ait des monstres plus faibles, hein, jouer avec quand vous êtes au niveau 2, avec la table de rencontre de niveau 1. Vous faites ce que vous voulez pour adapter la difficulté du jeu. Donc ça ne doit pas non plus être un frein définitif à l'arrêt du jeu, à l'achat du jeu. Mais voilà, c'est quelque chose qui reste quand même à prendre en compte parce que je vous assure que même diminuer la difficulté des ennemis ne va pas vous aider longtemps à survivre pour autant parce que le jeu est assez violent avec vos persos, surtout au début où vous n'avez absolument aucune armure pour annuler les attaques qui vous touchent. Et puis moi, même quand j'en trouverai une, j'aurai en plus un malus. C'est vous dire que je suis pas prêt d'annuler les attaques qui me tombent dessus, sachant que je commence avec 5 points de vie et que j'ai personnalisé mon personnage pour qu'il ait un malheureux point de vie en plus au détriment de ma magie qui est censée être mon point fort. Bref. Je vous laisse là-dessus. Je vais vous faire une deuxième vidéo de présentation et vous aurez un meilleur aperçu de comment ça fonctionne. Voilà, j'espère que cette présentation longue et peut-être laborieuse, toutes mes excuses, vous aura intéressé et on se retrouve pour la suite très bientôt. Ciao, prenez soin de vous.